Donc, mouvement pour la marine. Gratte-ciel un peu plus moderne qu'on voit là. Beaucoup de compagnies d'assurance aussi qui sont là. Alors ici, c'est la rue principale du centre-ville, Charles Street, qui est la rue principale. L'église Saint-Paul, ici à droite. La librairie qui est là ici, à gauche. C'est une église unitarienne ici à gauche. Il y a de toutes les religions. Hein? Beaucoup d'anglicans, luthériens. Alors, des églises dans tous les coins de rue, de toutes les sortes, ici à droite. Beaucoup, beaucoup de religions. Bien, vous êtes dans un pays où c'est des gens de partout dans le monde qui sont là. Hein? Donc, il y a toutes les, puis à tous les jours, on dirait qu'il y a une nouvelle religion aussi qui s'installe. Là, et, ben, les gens ont besoin de croire en quelque chose. Là, on quitte un peu là, tout ce qui est Innere-Harbor, le port intérieur. Là, c'est là que les touristes débarquent, hein, qui vont pour les visites des musées qui sont là. Mais là, on rentre dans la vieille ville. C'est bien que des villes nous passent par là, parce que là, vous allez voir population afro-américaine avec les murales. Hein. Ils sont très, très... ils aiment beaucoup, beaucoup faire
Donc là, on voit les quartiers plus populaires. Donc là, il y a moins de touristes dans le coin. Là, eux, ils ont l'étoile. Là. Regardez ici, là, c'est un église. Ça, sûrement qu'ils sortent d'un église, une célébration quelconque. Israélite. Israélien. Il y a un détour. Sûrement devant la Maison Blanche, là, qu'il va y avoir des gens là, qui font des manifs là, pour surtout là, ça va être Pâques. Alors, il y a des gens de toutes sortes de religions qui vont devant la Maison Blanche et qui contestent quelque chose. Ou probablement ça, en fin de semaine, là, on va voir ça. Regardez ici les beaux quartiers, il y a quand même de très belles maisons là. Regardez, c'est joli comme tout. Toujours, une église. Plusieurs, il y en a trois, une au côté de l'autre. Ça, c'est à part toutes les églises baptistes, que c'est souvent dans un appartement ou c'est à part tout ça.